Alors bonjour à tous, ici nous sommes en exploration urbaine au sanatorium. Donc voilà, il y a à peu près une petite heure qu'on est arrivé pour justement repérer un peu les lieux. Donc en fait on a trouvé enfin un petit spot, on va dire, où on peut rentrer. Malgré tout ce qu'on avait vu, ben, sur le peu de temps ça a beaucoup évolué. Donc l'accès au bâtiment est très restreint. Donc on va essayer de voir ce qu'on pourra faire. Pas près des fenêtres, les gars. Comment? Je dis pas près des fenêtres, les gars. Ah, pas près des fenêtres, s'il vous plaît. Non, pas près des fenêtres, et pas près des rangs d'escalier. Quand tu en as des rangs. Ça va brûler ici. De quoi? Ça va brûler. Ah, ouais. Je
Et j'ai franchi la porte. C'est ouf, hein, l'espace que ça, c'est énorme. Ouais. Ouais, je vois ça, c'est... C'est lourd de ouf. Je me sens limite pris. Hein? Normal. Limite, je me sens pris. C'est normal. Non, mais merci d'avoir des trop aussi. Ouais. Eh ben, pour une première, on l'a notre truc. Hein. Ouais. Et même, et, je peux même te dire, même de nuit. Tu vois, ici. Ça doit bien chier sa race. Magnifique. Le site est beau, hein. Le site est magnifique. Magnifique. Même bon, s'il a été un peu délabré, mais c'est super joli. C'est la salle de repos. D'accord. Ah oui, parce qu'il prenait toute la lumière et tout ça, vu que le principe du sanatorium, c'était de soigner les tuberculeux. Voilà, une petite note aussi. Ouais, non, surtout pas. Ouais, donc c'était la salle de repos, comme Guillaume disait. En fait, les tuberculeux, en fait, ils avaient trouvé un remède qui consistait à avoir tout le temps le soleil pour soigner les tuberculeux. Donc voilà, ici. Ça file très doux à mort. Ouais. Putain, je vais m'en prendre sur la gueule. Faire attention. Voilà. Et on peut admirer la beauté du bâtiment avec ses grandes armoires. Magnifique. Le plafond s'effondre. Ah ouais. Ouais, donc on voit que en fait, le bâtiment est.
Et limite. Magnifique, l'ascenseur. Bon, un peu de charge. Ouais, un mont de charge. Un mont de charge en bas, là. Punaise. Et où ? Et c'est énorme. Moi je ne sais pas pourquoi l'étage où je le sens. Hein? Putain, on a on est plus poil à l'entrée là. L'étage où je le sens. Regarde, administration, et c'est le pasteur. C'est, on est plus poil à l'entrée. C'est ça? Hein? On va aller. On va faire attention par rapport à la caméra là-bas. Tu veux? Ça va? En fait, on est vraiment à l'administration. Il y a foutu une lunette. Hein? Viens. Tu mets tout le poil. Oui, bah justement, il faut aller au premier. Au premier? Oui. Bah, j'en ai. Fais très attention. Comme on peut voir. Ça c'est le... Non, non. C'est quoi ça? Reviens, reviens, reviens. Reviens, reviens, reviens. Reviens. Doucement, doucement, doucement. C'est là-bas. Non, 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 c'est là. On a entendu le bruit comme moi, je suis pas... Oui, oui, oui. J'ai eu un truc qui m'a traversé. On essaye d'avoir un peu de rationnel parce que là, on a entendu comme un espèce de grognement. Donc c'est celle-là qui dépasse en même. Oui, oui, oui. J'ai toujours une armoire contre tiroir. Non, c'est ça. Ça a bougé sous mes pieds. C'est pas grave. Moi aussi, ça a bougé là-bas. Donc on va faire attention parce que le sol n'est pas relativement serein. On n'est pas sur de bonnes bases. Ici, plus à droite. Je suis collé au mur. Non, t'es pas collé. Je suis collé au t'es collé à droite. Je suis collé au mur. Je filme. Calme-toi. J'ai l'impression qu'on me suit. Ah, c'est trop bien. Bon, les enfants, ça promet pour ce soir. Hein. Ouais. Du paranormal sur le groupe qu'on s'est rencontré. Ouais. Ouais, n'allez pas trop loin. Un truc qui t'appuie.
Ouais, je pense qu'à mon avis, on n'ira pas plus loin. Est-ce que c'est juste... C'est où? Là-bas. Mais où? Loin? Pas loin? Là-bas, au fond. Tout au Ouais, fond. si pas, on redescend et on va par le... On peut passer, hein. Alors, on voit des gens. Hein. Comment? C'est comme ça qu'on allait rencontrer des gens loin? Non. Il y a une salle de sport ici. Avec en plus, vous pouvez mettre un marteau et le bip. Oui, une salle de rééducation. Oui, plus de ouais. Il y a du feu, il y a quelque chose ici. Ouais. C'est un peu plus élevé à vrai, je pense. C'est plus simple. Barbara. D'accord. Non, je crois que c'était Barbara parce que. Ouais. Non, non, on a cru que c'était marqué Barbara, mais c'est marqué bâtard. J'ai envie de faire. Hein? J'ai envie de faire. Ah. Faites gaffe ici. C'est quelqu'un, il va passer par là. Des enfants. C'est bon, on va venir sur le petit. Regarde
Il y a un truc à trouver là. Ici. Je peux pas rentrer. Je peux pas. Moi, tu feras un. T'es sûr? Je suis passé. Non, je suis bloqué. Je suis bloqué. Je te jure que je suis bloqué. Je veux plus bouger. Bon, il y a un truc qui m'empêche de rentrer là. C'est dur, c'est impressionnant. J'ai l'impression qu'on me retient. Attendez-nous là, bougez pas. Ouais. Ça sent le vétus, tu vois, ce que je veux dire, j'ai pas de... J'ai cramé ici. Ça va? Tu vas redemander. Tu veux, j'ai un IQ. J'ai du 28 500 milliampères. J'en ai pas assez de ça. Tu as donné un nom? 8 milliampères. Trop de nains. 35 ampères de décharge. Oh, c'est cool. Alors, pour lui, il brûle et maintenant il devient plus haut.
Bien gaffe où vous mettez les pieds. Bonjour à tous, on se retrouve pour le débrief de la vidéo que vous venez de voir. Du coup, il s'agit du sanatorium qu'on appelle nous Chapeau Melon. On va vous expliquer un peu le ressenti qu'on a eu pendant du coup, l'urbex avec Kevin, moi et Guillaume et Séverine. On a eu pas mal de bruit pendant l'urbex. On a eu des pas, des bruits de pas. On a eu des cris d'enfants. Il y a eu aussi le meuble, enfin, on avait l'impression qu'il y avait un meuble qui est tiré sur plusieurs mètres, alors qu'il n'y avait plus du tout de meuble dans le lieu. Et on a eu aussi à la fin de l'urbex des tapements dans les mains, alors qu'on était tout seul. Donc on va expliquer un petit peu en détail le côté rationnel que nous on aurait pu peut-être trouver à ces bruits-là. Et après, bon, de toute façon, chacun fait un peu son avis sur tout ce qui est bruit et paranormal. Donc voilà, je te laisse expliquer. Donc pour tout ce qui est au niveau bruit d'enfant, ben, côté rationnel, ça peut être tout simplement, bon, après, bien sûr, nous étions plein milieu d'un bois, chose qui me paraît un petit peu bizarre. Oui, c'est un terrain qui a 76 hectares, je crois. Je sais pas, mais c'était énorme, c'était très grand. Et puis après, au bout du terrain, ben, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un club de baseball, donc il y avait des enfants. Donc après, on se dit, bon, ben, bien sûr, fait rationnel, les bruits peuvent venir de là. Mais bon, en fait, quand on se rend compte entre la distance où on a entendu les bruits et où les enfants étaient, on se rend compte qu'il y a vraiment énormément de distance, donc on ne devrait plus les entendre de manière lointaine, mais pour nous, ça nous paraissait fort proche. Puis le truc, moi, qui me paraît un peu bizarre, c'est que c'était le club de baseball, c'était des enfants de 12-13 ans, et que bah, la voix qu'on entend dans la vidéo, c'est vraiment une petite fille qui doit avoir 4-5 ans, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez bizarre. Ouais. Après, peut-être qu'elle passait dans la rue, que ça a fait écho dans le bâtiment, hein, c'est possible aussi. Ouais, c'est possible. Pour les bruits de pas, du coup, ben, on entendait au-dessus de nous des bruits de pas, comme s'il y avait quelqu'un à l'étage.
Le côté rationnel qu'on pourrait avoir, du coup, c'est juste l'écho de nos pas à nous qui remonte du coup vers le haut. Je vois que ça. Ouais, après, pour tout ce qui est l'effet un peu comme si on avait tiré un meuble, bon, là, ça reste encore un gros point d'interrogation parce qu'au moment où ce que. Bon, moi, je suis derrière en train de filmer, donc au moment où que j'arrive à l'étage, malheureusement, je ne suis pas là à ce moment-là. Mais on entend clairement comme si on tirait un meuble. Bon, ça pourrait prêter à confusion et se dire que c'est un grognement, mais pour nous, ça paraissait plus un meuble tiré. Non, à savoir, la seule chose, c'est qu'on était que quatre dans le bâtiment. Et le bâtiment étant énorme, bah, au-dessus de nous, il n'y avait pas de possibilité qu'il y ait autre chose parce que, bon, il n'y avait pas d'étage supplémentaire ou tout simplement les étages étaient condamnés. Donc voilà, donc c'est des points, on va dire, c'est des points qui nous restent un peu mystérieux, mais qui à la fois bon, peuvent paraître rationnels et logiques, quoi. Donc voilà pour le côté bruit et au niveau de l'ambiance, c'est vrai que pour moi, le ressenti que j'ai eu dans le lieu, il y a par moments, j'étais vraiment très mal, j'étais vraiment submergée par plein d'émotions, par le fait que on avait chaud d'un coup, que c'était pesant, mais ça l'a fait qu'à certains endroits. Ça l'a pas fait tout le long du Lurbex. Oui, c'est clair, c'était un petit peu malaisant. On a l'impression qu'en fait, malgré l'état du bâtiment, ben, on sent qu'il y a un peu de vécu dans le passé, quoi. Moi, je vais pas vous mentir, j'avais peut-être un sac qui pesait au pire des cas 2 kilos, mais avec tout le matériel bien sûr dedans. Mais franchement, j'avais vraiment l'impression qu'on retenait mon sac à dos tellement c'était lourd en fait. On ne sait pas exactement si. Bon, après, c'est peut-être juste le fruit de notre imagination qui fait ça. Donc voilà. Mais après, bon, oui, c'est clair que c'était malaisant. Il y avait des endroits un petit peu plus. Pesant, quoi. Mais après, dans l'ensemble, tout le bâtiment ne provoquait pas ce genre de sensation. Il n'y avait qu'uniquement, comme Eva disait, à certains endroits où. Certaines pièces, ouais, certains étages. Voilà. Parce que du coup, on a fait deux bâtiments. Qui ne sont qu'un seul, en fait. Oui, c'est relié, donc. Ouais, voilà. Mais qui sont immenses. Mais c'est immense, et c'est vrai que c'était vraiment par partie, par zone, c'était pas tout le temps. Non, ben, après. Après, ça reste quand même une belle première exploration, on va dire ça comme ça. Qu'on a fait en couple et qu'on a on s'est super bien entendu, ça a été super fluide et super. Ça a été une super expérience, tout simplement. Malheureusement, voilà, comme j'en venir, bien sûr, il y aura une partie 2, parce que malheureusement, on n'a pas eu le temps de tout faire. En plus de ça, ben, on va dire le temps joue un petit peu contre nous. On a repéré un deuxième bâtiment qui sera à explorer à venir. Après, on aimerait bien, pour avoir un peu plus de ressenti, essayer éventuellement de les faire de nuit. Avec du matériel paranormal, donc baguette et K2. Dans un premier temps, voir un petit peu ce que ça donne. Ouais. Donc voilà, en espérant d'avoir des résultats positifs. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et voilà, petit point supplémentaire, ce que l'on fait, n'essayez pas de le reproduire parce que ça contient énormément de risques, ça peut parfois paraître dangereux. Donc voilà, merci de, si vous avez reconnu les lieux, de ne pas les divulguer. Surtout, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour que ça reste dans un état correct. C'est ce qui fera que les urbex seront plus agréables pour nous. Donc voilà. En tout cas, on espère que la vidéo vous a plu. Donnez-nous beaucoup de force et n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Bisous. À vous.